jusqu'au bout ensemble. Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour la 8e édition, enfin, du Bikini avec Sissi. On se retrouve au bord de mer avec un panorama absolument fantastique pour dégouliner. On va se retrouver durant un mois à raison de 3 fois par semaine au bord de l'eau pour travailler tout son body. Aujourd'hui au programme, tout ce que vous adorez. Vous allez voir, je vous ai concocté une séance abdos, fessiers, de la muerte. Donc pas de matériel pour l'intégralité du programme. Mais n'hésitez pas néanmoins, si vous êtes équipé à la maison, à sortir en fonction des séances. Petites haltères, lest ou élastique. Donc aujourd'hui pour cette séance, rien n'est indispensable, mais voilà, encore une fois, si vous êtes équipé, n'hésitez pas. Je vais vous proposer à chaque fois plusieurs alternatives et on va commencer avec Tini à la régie. C'est parti pour 5 minutes d'échauffement avec un Tadasana plus étirement sur le côté. T'as vu Tini, je t'ai mis ton exercice préféré. On s'étire. Tu persistes à dire que c'est mon exercice préféré. Mais c'est ton exercice préféré. Ce n'est pas le cas. Tini, yogi, je sais que c'est ton exercice préféré. Ah oui, dans le yoga, oui, évidemment, il est facile. Alors, descend bas. Oui, celui-là, ça va, on y arrive encore un peu, tu vois. Exactement. On s'étire, on déroule la colonne. Donc ça, c'est un petit Tadasana un peu modifié. On va enchaîner sur un twist buste dans 2, 1, c'est parti. Ok, on remonte. Donc là, on va venir faire une petite rotation de buste pour échauffer un petit peu aussi le tronc, la sangle abdominale. Donc on commence à gainer ses abdos, vous voyez, on n'est pas comme ça, non, on se tient droit, on serre la sangle abdominale. On commence aussi à instaurer un rythme respiratoire. On se met dans le bain, alors je pense que vous ne les entendrez pas. On enchaîne soleil côté, c'est parti. Ok, on a un concert de mouettes en fond, ça fait très méditerranéen, n'est-ce pas Tini? Exactement. Alors on étire encore une fois les obliques. On rentre petit à petit dans sa séance. Fin de journée pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en direct. Donc ça va nous faire du bien après une grosse journée de travail. Mais vous allez voir, la suite va être pimentée, comme dirait Mehdi sur TSE. On va enchaîner sur des flexions dans une seconde. Ok, dernier rep. On descend. Donc là, on est en position sumo. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'aime bien écarter légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Le genou descend toujours dans l'alignement du pied, mais si vous préférez, vous pouvez descendre les pieds et les genoux un peu plus serrés. On inspire bien et on souffle. On va ensuite enchaîner sur du statique, donc on reste en bas, c'est parti. Ok, prochaine rep, on bloque, on ne triche pas, on s'installe, je vous montre de profil. Vous voyez toujours le dos droit, la sangle abdominale serrée, on ne se tient pas comme ça, on bloque. On respire bien, on souffle. Là, ça commence à chauffer un petit peu les jambes, c'est normal. On commence à rentrer dans la séance, hein. On va pas faire non plus 10 minutes d'échauffement, les filles de jambes. À un moment donné, il va bien falloir que ça pique un peu. Mais je sais que vous êtes on fire, l'été approche, on est tous motivés pour le bikini. Allez, rond de jambes. Ok, on remonte. Donc là, on va détendre un petit peu ses hanches qui ont justement bien travaillé parce que lors de l'échauffement, on échauffe ses muscles, c'est important, mais également ses articulations pour améliorer sa mobilité, gagner en amplitude et mieux exécuter les mouvements. Toujours sangle abdominale serrée. Allez, on inspire bien. Yes. Ok. Ce petit échauffement nous fait du bien. On aime bien. Oui, dans 4 secondes, on passe sur un trottine. C'est parti. Ok. Donc là, on va trottiner. La classique, ça, c'est le BAS. Là, tu sais que tu es dans une séance BAS quand tu commences à trottiner. Donc là, le but, c'est vraiment de commencer à faire monter un petit peu la chaleur corporelle. On fait monter le cardio, on se réchauffe. On inspire bien. On souffle. Donc, on commence à gagner un petit rythme. On peut même aller un petit peu plus rapidement. Juste après les jumping jacks, dans 3 secondes, 2, 1... Let's go. Et on enchaîne. On inspire bien. On souffle. Toujours cette sangle abdominale gainée. Là, on commence à sentir les mollets aussi. Hein. Allez, on continue. Pas de cardio aujourd'hui. On est sur du pur info. Mais ça fait pas de mal de se bouger quand même un petit peu à l'échauffement. Allez, on inspire bien. Touch coup de genou dans 3 secondes. 2, ok, dernier. 1, go. Donc là,
On va activer ses abdos. Donc monter le genou avec une petite torsion du buste. Toujours pareil. On sent vraiment cet essorement de la taille. On commence vraiment à travailler les muscles qui vont être sollicités pendant tout le reste du training. On sent aussi un petit peu les cuisses qui chauffent, hein, c'est normal. On inspire bien, on souffle. Allez, dans 3 secondes, on passe sur la pause. 30 secondes de pause. 30 secondes de pause avant d'attaquer avec un premier bloc au sol. Donc pensez à vous installer, c'est le moment où j'admets. Donc on commence par des abdos sur le dos. Chaise renversée pour commencer. Magnifique. On va s'installer. La pause sert vraiment un peu à se reposer, mais pas trop, surtout à ne pas gratter sur le chrono. Donc, on s'installe. Chaise renversée, je vous montre l'exercice. C'est simple. Les genoux à 90 degrés. On descend et on remonte. Et surtout, on ne décolle pas le dos. Et c'est parti. Let's go. On descend. Hop, donc premier exercice. Vraiment focus sangle abdominale. Là, on travaille en profondeur tout son ventre. On peut décoller les omoplates pour intensifier l'exercice. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. Allez, on inspire bien. Yes. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en tendant davantage les jambes. Vous allez voir, ça va vraiment intensifier l'exercice. Mais surtout, ce que je veux pas voir, je vous le montre, c'est ça. On ne décolle pas le dos. Vraiment, on garde son dos plaqué. Et si c'est trop difficile, on descend moins bas. On s'arrête là. Et dès qu'on sent que le dos se décolle, on remonte, vous voyez. Allez, 5 secondes. 2, 1, pause. Ok. 15 secondes de break et ensuite on enchaîne sur des lacets. Ok, donc là on a deux options. Soit vous vous reposez complètement au sol, soit vous êtes warrior et vous restez dans la position. Donc vous avez à chaque fois sur la pause deux possibilités. Vous relâchez ou vous restez en statique. Donc là, on sent qu'on a toujours la sangle qui travaille. On est parti sur les lacets. On tend les jambes et on va, bah, comme le nom l'indique, hein, attraper ses lacets. On inspire bien, on souffle. Et ça commence à peine, mais... Certains ont des lacets plus longs que d'autres. Ah ben ouais, ben les miens malheureusement aujourd'hui sont très courts d'ailleurs. Ils sont bien loin. Ou alors c'est que j'ai les bras pas assez longs, Timmy, je sais pas, tu vois, mais... Je dirais pas que j'ai les jambes trop grandes, ça c'est sûr que non. Donc là l'objectif c'est vraiment de décoller le buste. On s'en fiche si on touche pas ses chaussures. Mais vous devez vraiment sentir la contraction. On inspire bien. Allez, plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, pause. Ok, on enchaîne pareil. Ensuite chaise renversée plus crunch croisé. Magnifique. On garde la chaise renversée où on pose complètement les jambes au sol. Prochain exercice, on repartira de la chaise renversée. On fera un mouvement vers le bas. Let's go. Let's go, on y va. Et ensuite, crunch croisé d'un côté puis de l'autre. On revient en position initiale. N'allez pas trop vite les filles de jambes, souvent sur les abdos, on a tendance à accélérer le rythme. Et pourtant, plus vous irez doucement, mieux vous travaillerez. Donc on prend son temps, on contrôle. Yes. Ça doit chauffer, hein, n'est-ce pas Tini? Et oui, ça doit chauffer, en 45-15 en plus comme ça, pouf. Ouais, on a corsé le rythme un peu hein, sur ce BS8. Hein. Première session on fire. Ah ouais. Allez, on s'accroche. 3 secondes. Et c'est la pause. Ok, 15 secondes de pause. Levez de jambes tendues pour continuer. Vous connaissez, je n'ai plus rien à vous apprendre sur cet exercice. On tend les jambes. Et on viendra tout simplement les descendre le plus proche du sol et les remonter sans décoller le dos. Allez, comme c'est toujours. Parti. On descend. Et on remonte. Vous avez la possibilité de mettre les mains sous les fesses, mais c'est pas sincèrement ce que je préconise. Je préfère, si c'est trop difficile, que vous descendiez tout simplement moins bas. On peut s'arrêter ici, hop, et remonter, plutôt que de descendre comme ça et de creuser complètement le dos. De plaquer. Celui-là, il est intense, hein. Waouh. On respire bien. Et on souffle à la remontée. Autre option, on peut aussi fléchir, vous voyez, légèrement les jambes. Comme tout à l'heure, en chaise renversée et ça sera plus facile. Plus que 5 secondes. Ok. 3, 2, 1, pause. Ok. On relâche un petit peu. Là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rester en gainage. Sur des Russian twist. Magnifique. On se relève, on s'assoit sur ses fesses. Russian twist, vous devez connaître normalement. Deux options, pied au sol,
ou pied décollé et on va venir effectuer une petite torsion. C'est parti. On peut également faire les deux, hein. Vous avez tout à fait la possibilité de décoller les pieds pour le début de l'exercice et lorsque ça devient trop compliqué, on passe au sol et on continue. L'objectif, vous le savez, c'est pas forcément de toujours prendre les options les plus intenses, mais c'est surtout de continuer jusqu'à la fin. Allez, on inspire bien, on y va, c'est 30 minutes seulement cette séance. Qu'est-ce que c'est 30 minutes dans une journée? C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, tu dis. Allez, on continue. Waouh, ça picote. Allez, on s'accroche les fidget jambes. On passe au sol, ça devient trop difficile. Cinq on lâche secondes. Rien. Et break, vous avez gagné okay. 30 secondes de pause. Waouh, magnifique. On va ensuite passer sur un bloc gainage. Super. On va travailler, comme je vous l'ai dit, en ciblé, avec des exercices polyarticulaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous réserve encore une surprise. Le Bikini Challenge va retentir dans cette séance comme l'année dernière. Donc comme d'hab, c'est Tini qui l'a préparé. Je ne suis au courant de rien, ni de l'exercice, ni de quand il va arriver. Préparez-vous. Deux secondes. Gainage face coude, go. Ok, on se met sur les coudes et c'est parti. Donc là, je vous rappelle la bonne posture. On n'est pas les fesses en l'air. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On rentre, vous voyez. Hop, le ventre, les fesses. C'est pas la position la plus sexy sur les photos, comme je vous le répète à chaque fois, mais le gainage comme ça, on veut pas voir. On protège vraiment ses lombaires et les épaules sont bien au-dessus des coudes. Vous voyez, votre buste doit être bah, vraiment telle une bûche. Voilà. Et on enchaîne, oscillation. Ok, donc oscillation vers l'avant. Petit mouvement avec les chevilles. Si vous avez suivi Body Tone Up sur Train Sweat It, vous avez dû le voir à plusieurs reprises. Allez, on inspire bien, on souffle. Ok. J'espère que tout le monde a téléchargé son e-book hein, du BS. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, que je vous mets un lien de téléchargement gratuit en barre d'infos. Vous avez tout le planning. Côté. Ok, on bascule sur le côté. Vous avez tout le planning du BS. Et ça, c'est chouette parce que vous allez pouvoir refaire votre programme année après année, j'ai envie de dire. Parce que je sais qu'il y en a qui refont encore le BS 1, 2 et 3. Je vous vois. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez également plein de bons conseils fitness, mais aussi nutrition et également plein de recettes. Donc voilà, il ne vous attend que vous. Allez, on inspire bien, toujours pareil. Les omoplates, hop, serrées. On rajoute des oscillations. C'est okay. Parti. Donc du bas vers le haut. Donc là, vous voyez, les deux épaules sont alignées. On évite de se mettre comme ça. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus fréquente. On redresse son buste. Et on a vraiment le bassin qui fait un mouvement vertical du sol vers le plafond. On peut tendre son bras ou le mettre ici. Ok. On sent bien ses obliques qui travaillent là. Hein. Transverse également. Allez, on change de côté. Ok. Petit twist pour rester face à vous, mais vous pouvez juste changer de bras. On se repose un peu, on va repartir évidemment pour faire la même chose. Pardon Tini ? On y va tout de suite. Oh ! Hop ! Je gratte sur le chrono. Ah ben là, t'as bien gratté là, je te confirme. Hein. Mais oui, mais t'es pas assez clair, moi j'entends pas quand tu non, parles. Non, là on est des phases sur 30-30, on enchaîne. Eh ben il faut le préciser. Eh ben on a il déjà faut fait le préciser. Moi j'étais là, allez, je me suis on enchaîne sur des oscillations okay. Sans pause. Je voilà, précise. Très bien, mais c'est bien de préciser. Moi, je suis sûre que les fidget jambes, ils prenaient 15 secondes avec moi, j'en suis sûre. Ah bah non, non, non. Oui, oui, moi, je le connais, les fidget jambes. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre une petite pause. Pas de pause sur ce bloc. Ok, ah oui, c'est comme ça qu'on se la joue maintenant sur les abdos. Mm-hmm. Allez, on continue. Qu'est-ce qui nous attend après, alors, Tini ? On va enchaîner sur gainage, face, main levée, pied opposé. Dans okay. 2 secondes, c'est parti. Magnifique. On se met sur les mains, sur les pieds et la petite challenge, on lève un bras, on lève le pied opposé. Option si c'est trop compliqué, un pied. Exactement. Et l'objectif, c'est de rester, on va dire une petite seconde dans l'air, hop, et on repose. Vous avez aussi la possibilité de le faire à genoux. Et ensuite, on va rester les pieds au sol et on va faire un gainage main touch épaule. Let's go. Et là, ça va piquer. Objectif, le bassin ne bouge pas, vous voyez. On ne fait pas ça.
on évite. Ok. On inspire bien, on souffle. Quel est le reste du menu, Tini? Le reste du menu, c'est une pause de 30 secondes qui arrive dans 3 secondes. Ok. 2, 1, break. On relâche. On va ensuite enchaîner sur le bloc que tout le monde attend, le bloc fessier. Le booty, on attend que ça depuis le début de cette séance, soyons honnêtes. Bon, je parle pour moi, je sais que vous aimez beaucoup les abdos. On va donc continuer avec... Sur le dos. Un petit renfort fessier. Hop. Et je précise pour les filles Jean et madame que ce sera du 45-15. Magnifique Tini, on adore ce genre de précision. N'hésitez pas sur cet exercice, si vous avez un petit poids, à le mettre sur votre bassin. C'est si parti. Vous avez des lestes. Levez de bassin, ouais. Une jambe. Ok, donc là vous voyez, on va vraiment venir recruter la fesse de la jambe qui est au sol. Donc l'objectif est de lever hop, le bassin le plus haut possible et de ne pas le reposer quand on descend au sol. Donc le fait d'être sur une seule jambe, ça va compenser le fait que l'on n'utilise pas de charge. Si vous faites à deux pieds, ça va être ultra facile, alors que si vous faites sur une jambe, ça change tout. Alors Cici a glissé une petite tricks. Pour la pause de 15 secondes, elle propose une option sadique. Ah ça c'est très sadique. Je confirme. De rester en contraction. Ouais. Et de ne pas bouger. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. De ne pas bouger. C'est bien toute la difficulté, vous allez voir. Et ça arrive dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Si vous êtes chaud, vous restez en l'air. Vous pouvez également poser votre pied, donc ça soulage un petit peu. Si c'est trop difficile, on pose évidemment les fesses au sol. Je vous laisse voir. Moi, je vais choisir l'option intermédiaire, je ne me mouille pas, tu vois. Et on part sur des pulses. Ok, donc là, on repart sur une pulse. Pareil, si ça devient trop difficile à un moment donné, n'oubliez pas que vous avez toujours l'option de replier cette jambe. Ça va soulager, je le sens direct. Vous pouvez repartir après. C'est ultra intense, hein. Ça n'a vraiment pas l'air, mais waouh. La brûlure est là, Tini. Ah, je la sens, je la sens. Ah ouais, on n'oublie pas, on décolle légèrement l'avant du pied et on met tout son appui sur le talon. Je sens le booty qui pump là, tu vois. Plus que 10 secondes. Ok. Oh my god, je vais garder la jambe fléchie, c'est trop dur. 5 secondes. 3, 2, 1. Pause ou statique? Ok, bah là on va faire pause. Hein. Tu as des courageux. C'est bien. Et on va enchaîner sur la même chose, mais du côté opposé du coup. Magnifique. Bon, dans là, bien 5 secondes. On se prépare, donc on repart cette fois-ci l'autre jambe. C'est parti. Let's go. Vous pouvez éloigner davantage votre talon, comme je viens de vous montrer. Vous serez un petit peu plus sur les ischios. Mais je pense que la majorité d'entre vous préfère travailler son booty. Donc on rapproche son talon du corps. On inspire bien, on souffle. Waouh. Et vraiment, on cherche la force du sol grâce à ce talon qui s'enfonce dans le tapis. Et on contracte la fesse droite. On n'oublie pas de gagner quand même le buste, hein, le tronc. On garde ses lombaires engagés. Wow, c'est bien intense, hein. Eh oui, oui. Oh my god. Il reste 5 secondes. Et on choisit l'option statique ou repos. Écoute, je vais la choisir, c'est parti. Mais une jambe fléchie, tu vois. C'est bien. On sent la tension. L'option intermédiaire. Moi, je te dis, je me mouille pas, tu vois. L'option mi-fig mi-raisin. C'est ça, c'est la mi-fig mi-raisin, tu vois. C'est ok, je garde la face quand même, mais... Allez, pulse. Je ne m'en mouille pas trop. Allez, donc là, petit pulse, on reste en haut. Oh my god. Et je regrette pas, Tini, de ne pas avoir pris l'haltère. Hein. Oui, oui, je me doute. Je pense que ceux qui l'ont mise vont vite enlever. Je me doute bien. Waouh. Cette fesse vraiment qui tétanise, mais on lâche rien, on réduit un petit peu l'amplitude si besoin. Yes, la bonne nouvelle c'est qu'après on va passer sur deux jambes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va vachement simplifier la chose. Et oui, il va rester 5 secondes sur cet exo. 4, 3, 2, 1, mini pause de 15 secondes. On et on va enchaîner bien. Sur soulever deux bassins sur deux jambes, tempo. Ok. Deux pieds au sol, on se prépare. Là, donc le but, c'est d'aller doucement, deux temps sur la montée, deux temps sur la descente. Toujours la force dans les talons. Et c'est parti. Et on y va.
on contracte bien. Donc là, vous allez sentir comme vos deux fesses ont déjà travaillé. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intense que si on avait commencé par cet exercice. Donc là, on est vraiment sur un travail de pré-fatigue musculaire au niveau du bootie, puisqu'on va ensuite, plus tard dans la séance, continuer avec du coup des exercices polyarticulaires. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les filles, genre vous verrez. Yes. Allez, continue. On se relâche pas en bas, hein, sinon vous perdez toute la tension, c'est pas le but. On effleure vraiment le sol, mais on garde la tension musculaire. Et on plus contracte que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est l'heure tant attendue du Bikini Challenge. Je me demandais quand t'allais nous le mettre. Eh bien, il arrive. J'étais sympa pour ce premier Bikini Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits exercices qu'on balance histoire de se challenger et de se faire un peu mal. Non, là, j'étais sympa. On va partir dans, dès que possible, pour un petit challenge de 1 minute 30 en statique soulevé de bassin. Soulevé de bassin statique, c'est parti. Ok, on reste en haut. Tini, est-ce qu'on est bien? On est bien. Donc toujours poids sur les talons, donc là on reste les fesses en l'air. Je vous annonce que ça va piquer. Hein. Ah ben, 1 minute 30 tu nous as dit? 1 minute 30, j'ai décidé. J'avais mis 1 minute, mais finalement, j'ai mis 1 minute 30. Alors, on se challenge toujours, pointe de pied relevée. Exactement. On inspire bien, on souffle, et je commence déjà à avoir mal. C'est normal, hein, c'est le challenge. Il est vicieux parce qu'il aurait pu nous le mettre au début, tu vois. Non. Quand on n'a pas encore trop travaillé les fessiers. Non, il attend qu'on soit en PLS, tu vois. Tu te doutes bien que je le place au moment opportun. Allez, on s'accroche les filles de Jean. Vous êtes arrivés à la moitié. Ah, c'est bien. Alors, par contre, les filles de Jean, attention, hein, parce que je vous vois, on n'est pas là. Hein. Oui. On garde les fesses en l'air. Hein. Yes. Ça décolle du sol. C'est dans l'alignement des genoux et des épaules. Hein. Super. Et on cherche vraiment la contraction volontaire, on cherche à aller contracter. Vous voyez, la différence entre là et là, visuellement, c'est pas grand-chose. En termes de ressenti, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, bam, on contracte, on fait de l'huile de noix. Tini, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'huile de noix quand même. Là, tu es en train d'en faire pour toute la saison. Là. Mais c'est magnifique parce que le printemps arrive, on va refaire des salades, c'est ce qu'il nous faut. Allez, 10 secondes. Bravo. Allez, les filles de Jean. Est-ce que ça ne change pas avec un petit pulse sur la fin? Allez, c'est parti. Allez, Tini. 4. 3, 2, 1, terminé. Okay. Vous avez mérité votre mini pause. Et on va pas trop traîner parce qu'on va enchaîner sur les genoux. Ok. N'hésitez pas à nous partager si vous avez réussi à tenir le Bikini Challenge en commentaire, bien sûr. Moi, je pense que oui, les filles de Jean, ils sont chauds. Ouais, dites-le nous. Je pense que tout le monde a réussi. Et oui. Mais à mon avis, il va être plus diabolique que ça sur le reste. Évidemment, on va monter crescendo, les enfants. Ouais, je vous le dis. Alors, on va enchaîner sur des genoux avec des donkey kicks single. Okay. Dans 4. 3, 2, 1. Alors, on y va. Et c'est parti. 30 secondes le format, madame. C'est très bien. Genou fléchi, on pousse le talon vers le haut. Regardez bien le mouvement. On n'est pas là. Ça, on ne veut pas. On va chercher vraiment haut. Et vous voyez, on est sur un tempo lent sur cet exercice. Vous pourriez le faire plus rapide à votre convenance. Moi, je choisis d'être vraiment dans le contrôle du mouvement. Sur cet exercice, n'hésitez pas à rajouter des lestes si vous le désirez. Mais 3 secondes, on passe sur des pulses. Ok, on va rester bloqué en haut. Et yes. On y va. Super. Vous voyez, ça se corse rapidement. Il faut jamais, à mon avis, s'enflammer sur le premier exercice. C'est mal nous connaître. Eh oui, parce qu'en plus, l'exo qui arrive, c'est l'élévation latérale, le chien qui fait pipi. Et celui-là, il va faire très très mal. Eh oui. Allez, on y va. Donc là, exercice très important aussi au niveau de la posture. 5 secondes. Ok, on enchaîne? C'est parti! Magnifique! Hop. On garde ses abdos serrés, dos droit. Vous voyez, on n'a pas les épaules qui se balancent. Donc là, je suis sur la jambe arrière. Mais vous connaissez l'exercice du chien qui fait pipi. Là, si vous ne connaissez pas les filles de Jean, je ne sais pas où vous étiez les 10 dernières années. Et puis, il n'y a pas une meilleure image pour imaginer cet exercice. Voilà, tout le monde le connaît. Donc là, c'est pareil, on va chercher vraiment le maximum d'amplitude. Allez, on va rajouter un kick latéral dans 2 secondes. Ok, on y va. C'est parti, kick latéral. Bon, bah là, en gros, tu mets un petit coup de pied, tu vois. T'es le chien qui fait pipi, mais qui veut se faire piquer la place par le chien de la voisine, de la mamie, tu vois. Tu veux pas qu'il vienne prendre ton spot? Oup, un petit coup de pied, voilà. Est-ce que t'as compris, Tini, l'image? L'image est très claire.
Toi, je vois bien le petit caniche qui va pas se laisser faire. Paf. Paf, voilà. Allez, on kick. Là, on commence à avoir mal à la fesse qui travaille, c'est normal. 5 secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'on va enchaîner sur la jambe opposée. C'est parti, donc okay. Kick single. Est-ce que tu as vu cette magnifique transition? Parfait. Je n'ai pas gratté une seule seconde sur le chrono. Année après année, tes transitions se bonifient. Bientôt, on va finir en chorégraphie. Ah ouais, c'est comme le vin. Ah, c'est magnifique. Chaque édition du BAS est meilleure que la précédente. Ben ça, c'est bien vrai, Tini. Et cette année encore, je nous ai rajouté une petite surprise, vous verrez. Parce que le Bikini Challenge n'est pas le seul qui va vous faire souffrir, vous allez voir. Allez, dans 3 secondes, on passe sur des pulses. Ok. C'est parti. On reste en haut, petit pulse. Et c'est celui-là qui fait mal. Toujours pareil, talon vers le plafond. Bon, nous, on n'a pas de plafond. Non, vers le ciel, si vous préférez. Donc, vous voyez, on a vraiment la jambe qui monte à la verticale. 10 secondes. On enchaîne sur élévation latérale. Donc, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok. Donc là, si vous avez un élastique, vous pouvez également le mettre entre vos deux genoux. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire, si vous êtes peu équipé, ce premier BAS 8 sans matériel. Et n'hésitez pas, lorsque vous referez les séances, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment les faire et les refaire, du coup, à vous équiper, à charger un petit peu plus. C'est vraiment ce qui va vous faire progresser. 5 secondes. Et va vous challenger, évidemment. Kick latéral. C'est parti. Ok. Allez, on kick. Waouh, là ça commence à faire mal. Ah bah je peux le comprendre avec tous les exos qui sont venus avant. Ouh. Moi je te dis, j'ai les abdos tétanisés, le booty pumpé. Là on n'est plus chez Gillo, là on est chez Kim Kardashian, tu vois, ah, à la stade de la séance. Toujours plus. Allez, 5 toujours secondes. Plus. 3, 2. 30 secondes oh de pause God. Et wow. On va finir debout sur un finisher jambe. Alors finisher challenge de cette séance, waouh, se relever devient difficile. On va terminer sur des exercices, je vous les ai promis, polyarticulaires, vous allez les adorer, c'est ce qui va vraiment piquer la fin de cette session, vous allez entre adorer. Alterner pour ce premier exo, même. On est sur 30-30, on ne s'arrête jamais donc. Eh bien, on ne s'arrête pas. 4. Tini l'a dit, 3, on est ready. 2, 1, let's go. On descend derrière et on remonte. Donc là, c'est pareil. Pas le rebond, s'il te plaît. Ah, petit rebond, je n'ai pas entendu. Dites-moi en commentaire, il n'a pas donné le rebond. Si, j'ai dit rebond. Moi, je n'avais pas entendu. On verra ce que disent les Fidjans. J'ai hâte de voir les commentaires des Fidjans. On va voir ceux qui sont vendus. On va voir ceux qui sont vendus avec Sissi et ceux qui disent la vérité. Comment tu te sens? Je me sens au top sur ces. Moi, tu sais, j'adore les fentes. Hein. Je sais que les Fidjans les détestent. Enfin, je les adore. Non, je les adore pas tant que ça, mais j'aime le résultat qu'elles procurent. C'est surtout ça. Donc là, on descend, vous voyez, genoux 90 degrés qui effleurent le sol. Dans 5 secondes, on enchaîne sur des fentes plus montée de genoux. Ok, 3, vous avez compris. 2, hop, 1. Je me mets face à vous. C'est parti. Fente arrière, montée de genoux. Donc là, si vous avez l'équilibre, vous voyez, on peut gagner un petit peu en dynamisme. Petit coup de genou, ce qu'on fait, boxing squad avec nous, maîtrise le geste. Donc là, pareil, on engage la sangle abdominale, le booty à chaque remontée. Allez, on va passer sur la jambe opposée. Dans 2, 1, go. Ok, on ne gratte pas sur le chrono. Toujours l'appui vraiment dans le talon de la jambe avant. Est-ce que tu sens la fesse qui pique? Ah oui, oui, je sens, ça pique. On va ensuite passer sur des squat touch alternés. 3, 2, j'ai fait mal, celui-là. 1. Ok, boom. Dernier. Celui-là, il est dur, hein. Ouh. Ok, petit squat touch. Là, on a les legs qui piquent, c'est le finisher challenge. Pas de pause, on va jusqu'au bout. Ok. Allez, on en profite. On aura une petite fente latérale après pour récupérer. On gagne les abs. 5 secondes. Ok.
Et c'est parti. Ok, on reste en position écartée. On descend sur la jambe gauche. Wow, ça pique. Ceux qui ont pris les haltères sans mordre les doigts. Allez, c'est la fin de ce challenge. On s'accroche. Plus que 5 secondes avant de changer de jambe. Waouh, la douleur. 2, 1. Et pas de yes. Temps de répit, regardez, hop, on bascule directement dans la jambe. Nice, nice one. Toujours le poids sur le talon. La fesse descend derrière. Allez, on y va. Ok, tout le poids dans le talon. On sent le quad et la fesse. 5 secondes. Ok. Et on s'accroche. C'est terminé. Ouh. Bravo les filles de Jean. Bravo à vous d'avoir fait cette première séance du bikini avec Sissi 8. On commence crescendo aujourd'hui. On s'est mis en forme avec pas mal d'exercices que vous aimez. On continue et on se retrouve évidemment dans 2 jours sur YouTube pour la suite de ce programme de folie. Je vous embrasse fort et surtout n'oubliez pas de vous partager vos résultats et surtout votre selfie dégoulinance. Ciao, ciao!